Oh, c'est beau, un putain! Non, c'est cool, il y a toujours des scènes, des jolies scènes et tout. Ça va très mal se finir. Je pense qu'on passera pas les deux la frontière. Il y aura un sacrifice à faire. Je pense qu'on va avoir le choix de se faire capturer par le FBI ou tenter de nous enfuir. Et Daniel, en fonction de comment on l'a éduqué. Je sais pas, je pense qu'il va y avoir un double impact, notre choix final et l'éducation qu'on a donnée à Daniel. Et je pense que le mélange des deux va donner, on va dire, quatre conclusions possibles. Quatre conclusions, ce serait toujours mieux que le premier jeu. Le premier jeu, c'était un petit peu tout noir ou tout blanc, quoi. Enfin, tout noir ou tout blanc. Les dauphins se discutent, mais tout gris ou tout gris, quoi. Are you guys all set up to leave? No. Mais pourquoi tu peux pas prendre la bagnole, nous amener à la Soit frontière, we have là to on leave again. passe? Parce qu'on est quand même toujours au I nord de think l'État, hein. Bon, je I'm pense qu'en kind vrai of c'est ce qu'elle va scared. faire, mais c'est. Oh. Oh, honey. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? What are you gonna do now? Take off and hide? Not this time. Non. I can't just run from this forever. Le FBI va venir la trouver et So I'll l'interroger. do what I have to help you. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start from the police. Wait, how? What's your plan? The cops are after me too for what happened in Nevada. On a brûlé une église, pour rappel. So they can catch me instead of you. Oh. Mom, you'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. T'es pas obligé. Non, faut pas que ce soit elle You le don't sacrifice. have to do this, Karen. I let you guys down before. Not this time. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. Fallait qu'il y ait un sacrifice, putain, déjà quoi. And I feel the same today. I tried to live by my own rules, no matter what. I don't expect you boys to be like me. But try to stay true to yourselves. This is your life. Don't let anybody get in the way. Papa nous a pas élevés comme ça, non. Fuck the rules. Le meilleur des deux mondes. We'll do whatever we can to survive. Ah non, mais ça c'est un peu extrême, par contre. That's fair. Yes, it is. You took care of Daniel, all the way from Seattle to Arizona. Nobody could ask for a better brother. Or son. Okay. This is the last roundup. Wait, let me say bye to Joanne. All right. Allez. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. J'imagine que je peux dire au revoir à tout le monde aussi. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. C'est un peu bizarre qu'ils aient divisé le choix entre. He has something for you.
Oh non, David a quelque chose à me donner. Non. Enfin si, j'ai envie d'aller voir David, mais oh, ça va être dark. Ça va être dark. C'est un peu con que je trouve qu'ils aient divisé le choix entre deux façons de voir le monde. Oh putain, il vient de me donner 130 $, on est enfin riche. Genre la façon de voir du père qui est ben voilà de suivre quand même les règles même si elles sont injustes etc ou la vision de la mère qui est d'aller tout d'envoyer chier toutes les règles et moi je serais plutôt partisan de l'entre-deux quoi donc c'est un peu extrême mais bon pourquoi pas. Look at that. Ah on est toujours recherché donc. La police recherche une famille après un incendie dans le Nevada. Le FBI et la police du Nevada sont à la recherche d'une femme. On s'en fout la police du Nevada, on est en Arizona. Bon par contre le FBI sont à la recherche d'une femme et de ses deux fils adolescents à la suite d'un incendie à Haven Point. Oh. On est dans la dèche. On peut écrire à Karen, on va lui écrire un joli mot. On peut regarder l'ordinateur portable, est-ce qu'il s'est passé de nouvelles choses? Brody's so good at it. We miss you too, Lila. Non. Always. On va écrire une lettre à la maman. Karen, personnage super intéressant n'empêche. Hein. La manière dont elle a été écrite et pensée tout, une espèce de... Salut maman. Une espèce de division entre. Enfin, hey, mom. Un truc complexe entre une femme qui veut pas être la mère qu'elle aime mais qui l'accepte quand même. Enfin, il y a. J'aime bien. C'est plutôt bien foutu. Je crois que je te comprends enfin. Allez, fuck it. It took me some time, Redemption Arc. La rédemption. Why you are who you are. Maybe we're not that different. Mais je veux pas suivre le chemin entre guillemets ultra égoïste de la mère. J'aime son côté liberté à fond la caisse, mais ça s'accompagne aussi de responsabilité en fait. Et la manière dont elle a abandonné ses gosses est clairement une erreur, même si c'était pour vivre sa It's vie. The best thing you've taught us. C'est quelque chose qu'elle aurait pu faire en fait plus tard. We'll reach you once we C'est bizarre find comme our raisonnement. Own freedom. De dire qu'elle aurait dû continuer à sacrifier des années en famille où elle le vivait mal dans sa peau. Thank you so much. Love. Mais voilà, on peut pas tout on peut pas tout équilibrer quoi. Salut maman, tu sais que tu es plus doué que moi pour écrire mais voilà. C'est après un moment mais je crois que je comprends pourquoi. Bon, je répète ce qu'il a dit hein. Pourquoi tu es qui tu es? Peut-être qu'on n'est pas si différents, on n'abandonne jamais ta liberté, d'accord? C'est la meilleure chose que tu nous as apprise. On te contactera quand on aura trouvé notre liberté. Merci beaucoup, je t'aime. Quel beau message pour un, pour alors qu'au début ne pas laisser de lettres, réécrire, laisser comme ça. Parce qu'au début Daniel, dès le début du jour, on a clairement présenté Daniel comme Sean comme ayant un gros problème avec sa mère. Et c'est cool d'avoir vu un petit peu cette qu'au-delà du pouvoir de Daniel, il y a eu ce côté un petit peu de réconciliation. J'aime l'idée, j'aime ce happy ending. On va finir de ranger nos vêtements parce qu'on est des gens propres. Et on trouve une boîte qu'on peut ouvrir. Is that the same person who wrote her back in Beaver Creek? 2010. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut coloc. Oui, je sais qu'on suit des fesses à New York en août. Tu disais que tu aimais la chaleur, mais on étouffe dans mon appartement sondé. Je peux pas remuer le couteau dans la plaine, mais Aspen est ma nouvelle destination. La cabane d'Anthony vient plutôt du chalet. Tu pourrais peut-être venir la prochaine fois, dans la tête de poète, le meilleur remède contre l'eau. Aidez-moi quand tu pourras me rembourser le loyer du mois d'août, s'il te plaît. J'en ai vraiment besoin pour le mois prochain. Je rentre le 5 octobre mon éducateur. Et alors, n'oublie pas de t'habiller. Ce chat, je n'oublierai pas d'arroser mes bébés. Emma. Quoi? She was that close. Sucks she had to pay all that money back. Chère Madame Reynolds, suite à une conversation à date du 10 juin, l'alternative. Ah oui, un recueil de poèmes. Ah, elle voulait publier un recueil de poèmes, elle a pas pu. Ce moral vous informer que cette rupture de contrat signifie que nous ne publierons pas votre recueil. Comme indique la section de notre contrat, si l'auteur n'est pas en mesure de livrer le manuscrit, l'éditeur a le droit de récupérer l'intégralité de l'avance, qui s'élève à 10 000 dollars. Et du coup, elle a dû rembourser ses 10 000 dollars et s'est foutue dans la merde. Eh ben, je parlais des éditeurs tout à l'heure, voilà. Les droits de votre manuscrit reviendront à l'auteur une fois l'avance intégralement remboursée. Si vous avez des questions, veuillez les adresser cordialement à Alistair Moon. Des opportunités manquées. Il n'y avait pas David sur la photo de groupe. Bizarre.
crois pas. Qui sont les deux vieux aussi? On n'a pas vu les deux vieux, mais... Bon, alors, on devait aller voir David. D'ailleurs, on doit aller voir David, c'est notre quête. Oh, je suis sûr que David, il va nous faire chialer, là. Il va nous parler de Chloé et tout. Je devrais aller voir ce que David veut maintenant. Ah, ou c'est lui qui va nous conduire? Oh, ce serait tellement un... Ce serait un vrai passage de flambeau aussi. David? Sean. Hey. Je crois qu'il a pas la même voix par contre. Est-ce que c'est le même doubleur? Yeah, but go grab that police scanner inside first. I gotta put these new plates on the car. Sure. I'm on it. I'll join you when I'm done. L'ancien militaire, ex-flic. Oh non, 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 on va pouvoir fouiller dans sa vie, pas ça. Prendre le scanner radio. Non, 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 non. Must be his ex-wife. He's changed so much since this. And not for the best. Ah, oh, c'est une lettre pour Joy, j'en suis sûr. Putain, c'est, je... Hunter says David could fix anything. Oh, la fin du 1, quoi. He hopes. Ils ont attendu 5 épisodes avant de me remettre la fin du 1 dans la gueule, quoi. Enfin, y avait un petit... think he'd be the type of guy to get custom plates. C'est déjà le cas dans le premier épisode, on voyait Arcadia Bay vite fait, mais... Yep. David is ready for that. Apocalypse. Or whatever. That's right. I never saw David even drink a beer. Ah, c'était... Oui, parce que c'était un ancien alcoolique ou je sais plus quoi, il y avait une histoire. Weird. Didn't know David was so punk rock. C'est un souvenir de Chloé. Yeah. Me and David won't be sharing any playlist. C'est vrai qu'il était fan de musique pas mal particulière. Oh putain, oh non, 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 qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Au secours. What's David doing with that? De vieux souvenirs. Creepy dude. Ah, c'était la boîte de son enquête. What's David doing with that? Creepy Et dude. C'est... Non, c'est surtout... Oh! Mais oui, avec la fin que j'ai eue. Alors, spoiler de Heavy Strange 1, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est l'assassin, du coup. C'est lui qui a tué Chloé, au final. Oh, et du coup, il le garde, il garde ça. Putain, c'est dark. C'est une lettre pour Joyce. I feel you, David. Bon, il a barré des trucs. Ma Joyce, chère Joyce, ta carte postale m'a fait plaisir. Tu voyages, dis donc, ils sont toujours en contact. J'aimerais être, il l'a barré. J'aimerais être avec toi comme pendant notre lune de miel. Il l'a rebarré. J'espère que tu vois le monde. Et ça, et il barre un truc. Comme tu voulais le faire. Je veux voir, il le barre. Je sais, nos vies sont devenues très différentes. Mais j'aime à penser, il l'a barré. Mais j'espère qu'on pourra aller. Et il l'a barré aussi. Tout a beaucoup changé. J'espère qu'un jour on pourra boire une bière et parler de tout comme de rien comme avant. Tu me manques, il l'a barré. Putain, c'est... Je m'étais toujours parmi hein, de la fin du 1. Hein. Je crois qu'au David fond, ce sera toujours la fin de jeu la plus triste que j'ai jamais fait, je pense. Alors qu'elle est pas exceptionnelle la fin. Hein. Ok. How does this thing work? Elle est pas exceptionnelle la fin. Hein. Elle est complètement complètement prévisible et tout la fin du 1, mais elle est si dure. Ok. Okay. Only gotta search between 140 and 160. Ah oh, putain. Testing. Testing. 1, 2, 3. Qui c'est qui teste une radio? 1, 2, 3. 1, 2, 3. This place has too many adults. But I'm gonna miss it. Ah d'accord, il y a les trucs, à quel point je capte. Keep scanning.
I'm saying is, now you have these eco-terrorists trying to shut down our way of life. just to punish us. You can't even look at a tree anymore without getting some fine or new regulation. If the earth is getting so damn hot, I mean, why is there snow? I applaud you, sir, for not buying into the climate propaganda. C'est des gens qui parlent de propagande climatique, si la Terre devient plus chaude, pourquoi il neige. Ah, et derrière, c'est lui qu'évidemment, la planète est un cadeau de Dieu, donc impossible que la Terre aille mal. Et c'est évidemment le Trust Limbo Show, les limbes de la vérité show, comme par hasard. Petit coup de pied au cul de certains qui comment dire, qui dénoncent une propagande qui alors qu'ils sont pas, ils ont pas le cul propre non plus. It would be weird to be back on the road with Dean. Où sont les flics? After all this time in a community. Nope, definitely not. Ça va être à la fin, hein, pour... 136, listening. We've got reports of... Wait, is... 10-10, machin, ça sent les flics, ça. Sam's? Now we can spy on the cops all the way to Mexico. 10-10. Thanks, David. You big rebel. Eh ouais, David, il sait comment suivre les flics. C'en était un! Il va nous donner quelque chose aussi. Est-ce que c'est la radio ou est-ce que... Non, ouais, ah oui, non, c'est pas lui qui va nous... Ah oui, non, il va nous donner la map et la radio. C'est vraiment le... Il est vraiment devenu l'ultime loyal bon, David. Ah, il nous aide pour la bagnole et tout. Oh, David, voilà. C'est cool que ça soit... Enfin... C'est génial que ça soit ce personnage qui finalement finisse par nous aider. Lui qui avait échoué à nous aider dans le 1. And your mom's car is already cool. Did you get the police scanner? Yep, and I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know what they're up to. No surprises on your way to the border. All right, this is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Sure. I think so. You voulait pas Chloé de tatouage, je crois. Il a un tatouage in memoriam ou quelque chose comme ça. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. Don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. Pitié, c'est horrible de parler de ça. In war and at home. I didn't know how to deal with emotions or other people. Fuck. Are you talking about your stepdaughter? Yeah. Some rich fucking kid shot her at school, where I was supposed to protect her. Me and her hated each other on sight. C'est la musique du 1. But once I lost her, everything became clear. How selfish and stupid I'd been. I should have listened to Chloe, instead of being a bully.
All of my fuck-ups are crystal clear now. But I'm not gonna fuck this up. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you, okay? Yeah, of course. I know you guys got screwed, that you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. C'est l'autre vision, c'est une vision différente de Karen. Le fameux sacrifice. David, les sacrifices tournent autour de toi comme des mouches autour d'une énorme merde. I don't know. I might turn myself in after I see what happens with Daniel. I know you want to settle down first, but keep your options open. Think about it. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So, I know you're on the right path. Oh. Sorry. I really have to take this. Hey, Joyce. Right on time. Yeah. I'm good. Il continue de s'appeler, donc. Don't worry. I'm mostly working when the sun's going down. You got that right. How about you? Any news from the vet? C'est bizarre qu'on revoie lui et pas Joyce. Joyce, je trouve que c'est celle qui prend le plus cher dans Life is Strange. That's a relief. Hope I can see that little boy next time I swing by Santa Rosa. Ah, ils sont toujours en contact quand même. Nah. Still haven't heard anything. Just hope they won't let him out. Ah, on parle de Nathan Prescott. Toujours en taule, visiblement. Well, ou l'autre. Le pire du pire, le monstre. Sure. Okay. Take care. Talk soon. Bye bye. Il s'est figé comme une statue. Il n'a plus aucun, il n'a plus rien à faire. Please don't let the cops come looking for us out here. Bon, allez, il est temps de se reconcentrer sur nos propres problèmes. C'était vraiment bien d'avoir ce backdash, ce Life is Strange 1 conclusion. So we won't have to stop. We won't be leaving anything behind. This time. Ouais, on abandonne David sur sa caravane. Regardez-moi ce plan, quoi. David sur sa caravane. Les conséquences de mes choix. Je suis trop subjectif par rapport au 1. Le 1 pour moi est une des meilleures expériences de jeu que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et je peux pas être subjectif quoi. On me parle du 1, je pourrais rester là pendant 3 heures à savoir qu'est-ce qui s'est passé après la fin. Mais bon, j'ai ma propre histoire à finir moi. Hey. Oh, need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters.
Bravo. I didn't know you were such a gearhead. Sean, this is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was, but I got some solid skills. I have to, out here. C'est vrai que le père était yeah, mécano, sorry. En fait. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Il voulait que je me trouve. Yeah. He only wanted me to find my own way. Eh ben oui, t'es pas stupide non plus. Whatever that was. Wish I had more time. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. C'est vrai, sûrement. Vous êtes déjà allé? Did you guys ever go to Mexico together? We talked about going, but never did. Encore un plan qui est mort dans le... He said growing up there was hard, but he loved it. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean, you're carrying the weight of two people on your shoulders Sans now. Problème. It's okay to be nervous. I'm just tired of running. Of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. Je veux en finir. I just want to get this shit over with. So we can start over. If we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. Il va y avoir la fin va être compliquée. Tu as peut-être raison. Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Ça s'est pas okay. trop bien passé. Better get back to my tune-up. All right. I'll make one last round before leaving. Ah, peut-être dire au revoir aux gens. Je ne sais pas où la fin va, mais clairement, ça sent l'entubage. C'est-à-dire, je pense que, comme je disais, va y avoir un choix à faire entre moi. Est-ce que je me rends ou est-ce que je fuis avec Daniel? Est-ce que Daniel passe la frontière ou pas? Est-ce qu'on passe tout? Enfin, je pense que ça va être une histoire de qui passe la frontière et qui ne la passe pas. Sachant que si on ne la passe pas, ça veut dire qu'on doit faire face à la loi américaine et les accusations. Comme disait David, la vérité est de notre côté, mais les accusations sont quand même bien là. Soit on passe et on laisse tous ces problèmes derrière nous, mais on doit commencer une nouvelle vie en restant fugitif au niveau des US. Je pense qu'il va y avoir. Je pense que ça va être compliqué. Et de mon point de vue, pour moi, depuis le début, ça devait se finir sur un procès. Il devait y avoir un procès où les gens nous aidaient à justement, aux yeux de la loi, se faire innocenter. Ou passer une petite peine de prison ridicule. Ce qui veut rien dire, parce que une petite peine de prison, ça reste une peine de prison. Mais. Je sais pas. Je sais pas. Et je pense qu'on va être à un moment confronté au choix et ça va être compliqué. Hey guys. Bon, disons au revoir à nos amis. I came by to say adios. We're taking off today. No, you're not. Really? Everything okay? Yeah, just time to go. Well, shit. Wish you and Daniel could stay longer. Non, merci, mais non. Il faut qu'on passe la frontière. Thanks. But the sooner we cross the border, the better. No worries. No worries? Bullshit. That's all we're gonna do until you make it. We will. Thanks to you. And everyone here. Les loyaux bons aussi. You gave us a place to breathe. Sean, I won't drag this out and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit, right? Eh ben, si on passe la frontière, non. Et si on la passe pas et qu'on paye notre dette à la société, entre guillemets, ouais.
We'll try. I'm glad this place will be our last U.S. memory. You and your little brother will always have friends. C'est là où David a raison en fait. C'est que tant qu'on paye pas nos dettes, I'm done babbling. Aussi élevées soient-elles. I just hate goodbyes. Parce qu'au final, I know you're both gonna have a great life in Mexico. You better. We're gonna make it work. Shit, I'm gonna miss you guys. Take care. You hear? Aww. Watch out cool, for Daniel. Dommage qu'on les a pas plus. He needs you. On a que deux dialogues avec eux finalement. Be safe. And send us a postcard to the beach. En fait, je sais pas, c'est compliqué parce que à quel point là, si on se fait arrêter, on est dans la dèche. On a certes fui un hôpital alors qu'on était surveillé par le FBI, ça nous fout dans une sacrée merde. On a tué un flic, mais c'est un accident involontaire, mais lié à un pouvoir magique. Donc ça nous fout dans la merde. Et le reste, on a foutu la merde auprès d'un espèce de dealer de weed, mais en vrai, de ce niveau-là, c'était la merde de toute façon. On n'a rien fait de mal au niveau des grands-parents. Et on a mis le feu énergique. Putain, on a quand même... on se traîne un paquet de casseroles, on va pas se mentir. Si on doit payer le prix, je sais pas à quel point ça peut nous tomber cher dessus. Surtout que les US, bon, avec des gens de nationalité... enfin, nationalité d'origine hispanique... Ça peut peut-être être compliqué. Ah, je sais pas. Hey. Mais fuir au Mexique, ça veut dire laisser cette vie derrière nous aussi. Taking a look at this baby with hindsight. N'est-il pas magnifique? What do you think? C'est mon chef-d'œuvre. Ça a l'air cool. Looks very cool. I can totally tell what you're doing. Oh, good. That makes one of us. But I like it. Of course. You, Daniel, you did inspire me. I love it! So, you guys leaving now? Yeah, hey, oui. Just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so elle sweet. Aussi, on a eu qu'un dialogue, your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. Autant David, c'est comme si on le connaissait. This is for all your help. Mais, really? Oh. Whoa. Wow. That's great. Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Elle l'a appelé Daniel. Your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Oh. Wicked. Okay. One big hug. Oh. And get out of here before we all start cool. Crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. J'ai l'impression que la manette vive à chaque fois qu'on a un contact physique avec quelqu'un, c'est super intéressant. We always do. Hey, is it okay if I hang out a bit longer? Pas toujours, if it's okay with her. Oh, are you kidding? I need more help. So long, Sean. Ah, merci. Don't be a stranger. Ah, elle a donné les trois noms. I'll miss you so much, Joanne. I know, sweetie. David, d'ailleurs, pour y revenir une dernière fois, ouais, il a un tatouage, une memoriam ou une memoria ou je sais pas comment le dire. J'imagine de Chloé. Donc un tatouage que lui, il voulait pas se faire et tout, parce qu'il détestait les tatouages. Donc, passons à autre chose. À partir du moment où on prend cette voiture, David est derrière nous et la Fist Range 1 aussi. Et on a nos propres problèmes. Qui est que je sais pas vers quelle fin on est, mais ça sent la fin pas facile non plus. Mais j'en discuterai une fois qu'on aura fini le jeu. J'ai des ressentis très différents sur la fiction. Daniel, do you copy? Allez, let's go. It's time to wrap it up. Be right there. Over. So, did you get to say goodbye to Away? Yes. Yeah. Kind of sad. I know. Are we leaving yet? We have to, and I know. Come here. Mom, I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Oh,
Thank you. C'est important pour le personnage. Well, Sean, this is it. On peut continuer d'être le salopio, genre je te déteste. C'est non. Thanks, Mom, for being there. Thanks for letting me, son. Let's hit the road. Bah, tout le monde vient nous dire au revoir. Take care, boys. Stay safe. C'est pas David qui nous aide. Parce que donc, considérons que si on fait l'autre fin de Life is Strange 1, il y a de fortes chances que David soit mort. C'est pas David qui nous aide, c'est qui est là? C'est genre Max et Chloé ou une des deux? Si ça se trouve, c'est Chloé. Oh, ça se trouve, c'est énorme. Si ça se trouve, c'est Max ou Chloé qui nous aide, ou les deux. Putain, alors ça, attendez. C'est un truc que j'ai envie de vérifier sur mon portable avant que la merde nous tombe dessus. Ah non, attendez, non, faut surtout pas que je regarde des trucs sur le dernier épisode, c'est un gros spoil. Je regarderai à la fin. Hey. Is something wrong? We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. I don't care about that. So, what's the problem? What are we gonna do in Puerto Lobos? C'est ça, le truc. We don't know anybody. We're like strangers. How long can we live there? Il est là le choix final. Est-ce qu'on laisse notre vie derrière nous pour commencer une nouvelle dans un pays où tout est à faire? Ou est-ce qu'on s'arrête, qu'on regarde derrière nous, qu'on assume les conséquences de nos choix, avec la possibilité, dans un certain nombre d'années, au vu de ce qui va nous tomber dessus, de reprendre notre vie en fait, avec tous les gens qu'on connaît. Après, pareil, si on commence une nouvelle vie, les gens qu'on connaît, ils sont toujours là derrière nous, donc on peut les revoir aussi. Mais il y a une vraie question de quelle vie on choisit en fait. Je pense qu'on arrive sur une fin qui est beaucoup moins qui est beaucoup plus complexe que celle du 1 en fait. Celle du 1 était claire sur les coûts et les récompenses, on va dire, de chaque fin. Là, celle-là, il y a quand même beaucoup de choses à. How do you think we can live here? No more running, Inanna. So, what are we gonna do for money and stuff? Travail, hein. I get a job, man. On va. It won't be hard. You can probably go to school. Dude, I can't even speak Spanish. How can I make friends or do anything if I can't talk? Le truc, c'est que Sean, il est toujours optimiste sur sa mission, et moi, je commence à en douter de plus en plus. Everybody likes you, man. You'll be the cool American kid in no time. I can do that. Maybe. You fit in
everywhere we go. And we'll get to hang out too. Well, that sounds okay. I guess. Je l'ai presque convaincu d'un truc auquel moi je crois pas. Mais Sean le croit. I get scared too, you know. But we'll be... compliqué. We'll be fine. Okay. I trust. Le truc c'est que... Il faudrait... Enfin... Si je connaissais le prix à payer pour rester aux US, pour rester avec notre vie d'avant, entre guillemets, ça m'influencerait énormément. Est-ce qu'on est parti pour faire 20 ans de tôle? Est-ce qu'on est parti pour en faire 2? Est-ce qu'on est parti pour en faire 10? Quel est le coût en fait? Parce que Daniel a 10 ans. Donc si on fait 20 ans de prison, faut imaginer l'impact. Entre 20 ans de prison et 5 ans de prison, faut imaginer l'impact qu'on a sur Daniel en fait. Est-ce qu'on va passer plus que toute sa vie en prison? Ou est-ce qu'on va juste passer une partie de sa vie en prison? Il y a un truc, quoi. C'est-à-dire que rester impose aussi énormément de réflexion. Et fuir aussi, parce qu'une fois que t'es là-bas, qu'est-ce que tu fais, quoi? Surtout que si on fuit, on reste des fugitifs. Certes, en étant au Mexique, ça pose pas spécialement problème, mais ça pose problème, on va dire, d'une autre manière, quoi. Puisque ça pose pas problème, c'est compliqué là. La fin, autant la fin de Life is Strange, j'avais du mal à m'y faire, mais j'avais très vite compris ce qu'il fallait faire, et du coup, à la fin, même si j'ai hésité, je savais déjà ce qu'il fallait faire, entre guillemets. Je savais déjà où était mon cœur. Mais là, c'est plus compliqué. Là, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et là-dessus, le 2 est peut-être mieux géré que le 1. Wow. Mais elle n'est pas surveillée, cette frontière? Il n'y a pas des camps de migrants où les enfants sont séparés des parents comme en ce moment avec Trump? Y'a pas des mecs qui se baladent en bagnole avec des flingues? C'est juste une fence géante. Except they won't keep us in. All units be advised. After the raid on away, there was no sign of Sean and Daniel. Ah, donc ils sont passés sur away. The two brothers are still considered armed and dangerous. Proceed with caution. At this time, only the mother of the fugitives has been arrested. Donc la mère c'est la mère s'est sacrifiée. Sean, why would they arrest mom? Why? So they can give her shit. But she didn't do anything. The cops will have to let her go. Par contre, ils nous considèrent comme armés et dangereux, et ça c'est pas bon. Why can't they just... Oh, pardon pour dialogue. Unless our car breaks down in the desert. Hey. Sean? Yes. Why would they build this? Well, ça va être difficile d'expliquer le contexte socio-économique. It's a border, man. Is there a wall like this up north? Étrangement non. Nah, not really. So why did they build one here? I don't know, Daniel. That sucks. Non, je sais parfaitement pourquoi ils ont construit. This is the opposite of Seattle. C'est vrai. We're at the end of America. C'est vrai. C'est complexe quand même tout ce raisonnement. Alors je vais pas me lancer dans un débat politique, j'ai pas que ça à foutre. Mais parce qu'on peut comprendre aussi, quoi. Le territoire immense que représente la frontière américaine avec ses pays voisins, avec le Mexique, fait que n'importe qui peut passer par où il veut, absolument. En même temps, les gens ne devraient pas être libres de enfin, bref. C'est compliqué. Le mur.
c'est compliqué, mais on vivrait mieux si les gens arrêtaient de se détester aussi. Hein. Ah, on peut utiliser ses pouvoirs. Est-ce que le symbolisme va être fort? Shit. I didn't think there'd be more than a barbed wire fence. C'est vrai que là c'est un bon mur, hein. Bon, y a pas de mirador, hein, tu me diras. Par contre, y a bien le chemin pour faire le tour du mur. Choper les migrants qui passent. Ils arrivent encore à faire des environnements qui ont l'air gigantesques. On sent vraiment au pied de ce mur qui s'étend là jusqu'au bout. Cet immense désert derrière. Demander de détruire. On n'a pas d'autre choix. Hein. Le symbolique va être fort. Mais bon, c'est peut-être mieux comme ça. Hein. So, here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Les flics vont nous tomber dessus. Let's get out of here. Ça peut pas être aussi simple que niquer ce mur et passer en fait. Take it easy. C'est beaucoup moins l'énorme catastrophe de la fin du 1. Hein, où on a l'impression que le temps jouait contre nous. Ironique. Almost. It's okay. It's okay. Whoa. Just breathe. Shh. Breathe. On aurait pu trouver un moyen plus subtil quand même. Wow. We did it. We fucked that shit up. Yes! Et devant nous le soleil. De l'autre côté, c'est le même désert. Il a juste fallu planter un mur au milieu. It's all thanks to you. It's gonna be all right now. We've done the hardest part. Thanks for taking me down here, Sean. Nah. We did it together, man. Come on. C'est le moment où les flics débarquent. Let's go back to the car. Le temps qu'on atteigne la voiture, les flics sont là. On parie combien ? Oh, I cannot wait till you're swimming in the ocean. Ça va être une course. Ça va être une course finale jusqu'au mur. Le mur est derrière nous. Il va être à 100 mètres de la voiture. Et le trou est là. We could just walk to the beach. Les flics arrivent. C'est certifié. Ça va être une course en avant. I'm dying to get some choco crisp. It'll be... Daniel. What the fuck ? Daniel ! Daniel, talk to me. Daniel, talk to me. No, no way, not now. Daniel. Et les tirs de sommation. Ah, ça c'est pas hey, les flics, ça. Who are you? Did you shoot my brother? Hey, Oh shit, Madison. I told you it was a fucking kid. Get off of me! Get off of me! Well, Daniel! Is he?
He's my brother! He's okay. Bullet just grazed him. Let me go! Do not move if you want to keep that arm. Comprende? Keep an eye on the wall. These fuckers blew it up so their friends can cross. Daniel! So what's the plan, huh? I bet there's a dozen more coming through, right? No! We're leaving! Going to Mexico, I swear! Wait, wait. You're trying to break into Mexico. That's fucking funny. Putain! Fallait qu'on tombe sur les cinglés, forcément. We're Americans! Americans, damn it! Now, it's not legal to blow up walls. That's called terrorism. Ouais, le terme est un peu fort. Si je dis qu'on a une tête de terroriste, elle va nous dire que oui, parce que listen, on sait très bien qu'ils bossent dans genre d'espèce de de protecteur de la frontière. Across the border 10 miles away. So tell me the plan. C'est vrai, en fait, ah mais oui. Non, on pouvait pas passer la frontière. With us, kid. Oui, j'ai rien dit. On pouvait pas passer la frontière par des voies légales, forcément. Anyway, don't waste your energy. I bet the Border Patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on. We have to deal with this kid. Still bleeding. Don't touch him. Il y en a au moins un qui s'occupe du gosse. Et il est flic. Don't move. What the fuck? Ah, les techniques. Get it off. Les techniques presque militaires. Stop! Get it off! Jesus! What the fuck is going on? Where's Spencer? He's off duty today. Why? Listen, we have a deal. He knows. Yeah, I heard about this crap. Not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Fuck! How old is he? He's all right, officer. Don't worry. Shut it! You're both coming with me to the station. What? Are you kidding? What? They're illegals! Fuck's sake! What I say? On fait surtout des tirs de sommation avant de tirer, bande d'enfoirés. Take a breath. You okay now? Ouais. Daniel! What? I'm sorry, are you Sean? Oh putain, fuck. Sean Diaz? You're under arrest. Bah ouais. Ça s'est moins bien passé que ce que je pensais. Je pensais qu'on aurait le droit à une course jusqu'au Mexique en mode vite! Et pas du tout. On s'est fait baiser. Ah, super les ambiances. Le 4 juillet. Je connais pas par cœur l'hymne américain, donc je ne le chanterai pas. Mais une fois encore, la symbolique. Hein. Je suis qui? Ah bah ouais. Il y a deux cons derrière là. Don't look at me. Oh si, je te regarde autant que je veux. Estás bien? Si. Bon. Je crois que Diego. Je crois qu'on n'a pas trop le choix sur mi esposa Carla, faire face aux conséquences. Y este frijolito de aquí es es Ángel. Oh, Ángela. Encantado. Soy Sean. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Han visto un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. C'est bon, si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Tranquilo, amigo. Aquí no hacen daño a los niños.
contrairement à la dure réalité. Douce ironie. Parce que pour rappel, excusez-moi, je mange un truc encore. C'est Noël, hein. Pour rappel, aux US, en ce moment, il y a des camps où les migrants sont évidemment regroupés. Hein. Peut-être à raison, car ils sont légaux. Mais on en profite évidemment pour séparer les parents des enfants dans des conditions qu'on qualifierait de pas très humaines. Wonder how many people have been locked up in here. Faut pas oublier. Mais tout le monde a un boulot maintenant. Faut pas oublier non plus. Thanks. I'll remember that. Shootez-vous à la vie. L'alcool, les nicotines et le cannabis ne sont pas vos amis. Rien ne peut remplacer l'euphorie apportée par un corps sain et de véritables amitiés. C'est un message très positif dans ce genre de contexte. Me duele la espalda. No way I can break through that door without Daniel's help. Tranquilo, amor. I wonder how long they've been here. And why? Sûrement des clandestins, pour le coup. Par contre, les miliciens, ça fait du bien de les revoir dans la même cage que nous. Hola. Saben cuánto tiempo nos van a dejar aquí? No. Esta es la primera vez que intentan cruzar. Me acuerdo de nuestra primera vez. Casi morimos de sed en el desierto. On n'est pas ici légalement. J'essaie d'aller au Mexique. Faut que je leur dise que j'essaie d'aller au Mexique. Ils viennent du Mexique. Eux ont le contexte de ce qui se passe dans le pays aussi. Queremos llegar a México. A México. Il va nous demander pourquoi. No mames. Bah ouais. Il va trouver ça débile. Pero por qué? Entonces son gringos. Sí, nacimos aquí, pero ahora tenemos que irnos. Todos estamos escapando de algo. Es la tercera vez que intentamos cruzar la frontera. Son muy valientes. Y además estás embarazada. Mi Carlita es la mujer más valiente del mundo. Y la más inteligente también. En nuestro pueblo era profesora. Queremos que el niño nazca en este país. Que tenga la nacionalidad. Ah, oui, parce qu'il y a les droits du sol et tout aux US aussi. Una vida mejor a nuestro hijo. Qui sont différents. O hija. Enseignante quand même, hein. Alors je sais bien que c'est qu'un jeu, mais dans la réalité, on retrouve le même genre de profil aussi. Hein. C'est pas l'Eldorado, mais si. Pero no es elegir la solución más fácil, escaparse de sus problemas, en vez de quedarse y afrontarlos. Et c'est moi qui dis ça, ça en dit long. Hein. No es lo que están haciendo ustedes, tú. Más que nadie, tienes que saber que no hay nada fácil en cruzar desiertos y fronteras para sobrevivir. No quiero desanimarte, amigo, pero lo de México no va a ser fácil para ustedes. Es un país magnífico y me cuesta muchísimo dejarlo, pero... Allá va a ser muy complicado cumplir tus sueños. Ya no tengo sueños aquí. Sean, has vivido en este país toda tu vida con un padre mexicano. Y ahora los tiempos han cambiado. ¿Cómo crees que va a ser todo en el futuro? Tuve suerte que mi padre... Bien integré, casi new-yorkés. Que fuimos bien integrados. Lo comprendí cuando murió. Cuando me quedé solo. Lo siento mucho, hijo. Cuando eres extranjero. En fait. Tienes que trabajar aún más duro para arreglártelas. Así funciona. Oh shit. Enough now. It's America. We speak English. We're just talking. No, the problem is you people breaking into my country. We come here to work. Not steal or live at your home? Diego. No, I am so fucking tired. You only come here to cause trouble. And we have to pay for your welfare. You all want a free ride. And that makes me sick.
immigrants built this country. Where did the founding fathers come from, huh? No, 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 that was different. They made the laws. They wouldn't stand by and let this happen. We only want work and peace. Yes. A honest job and the ability to raise our child in a safe country. That's all we're looking for. That's what you people always say. But the facts speak for themselves. Ouais, hein, c'est plutôt simple. Hein. Your facts are just bigotry and hatred. Yeah. Yeah, I hate what you did to my country. Our borders... Tu l'as fait tout seul. We have a right to protect our sovereign nation, and we will. Damn right, baby girl. You hunt us like animals. I don't think I have a choice. I want the safest country for my children. See? You love your family like us. We don't go walking hundreds of miles in the desert and risking everything for no reason. We do it for our child. A mother must understand. No, you and your unborn parasite have nothing in common with me and my family. What? Maddie. What you say? Oh, see? There you go. Take it easy. This is our country. Siéntate, hijo. Ils veulent le pousser à la faute. S'ils le poussent à la faute, c'est lui qui... Solo vas empeorar las cosas para ustedes. S'ils le poussent à la faute, c'est lui qui va se faire... C'est lui qui va se faire défoncer. Whether you people like it or not, we're not gonna give you a break. You're in jail too. Loser. Merci aux flics d'avoir évidemment calmé tout ça. Why are we stuck down here with them? You know us. We're helping you, goddammit! Hey, you have the right to remain silent, so fucking use it, okay? Alright. Diaz, you're up. How's... my brother? Don't worry about him. Now turn around. Hands behind your back. Okay. Okay. Let's move it. Est-ce que je vais retrouver ma copine de FBI? Ouais, pour l'instant non, visiblement. Oh fuck. C'était sûr. Hein. All right. Il fallait qu'on arrive là. Hein. Sit down. À voir comment s'explique. He's doing fine for a kid who got grazed by a bullet. Lost some blood. But he's tough. They're taking care of him at the infirmary. Oh, faut pas qu'il foute le bordel. You want coffee? Okay. Good. Be right back. Un peu d'humanité là-dedans. Ça fait du bien. Fuck. What did they do with Daniel? Bon, on aura noté évidemment toutes les incohérences du discours de certains. Now I got a question. Don't you know how dangerous it is? Oh, shit. Is it morning already? Genre venir se voler une sécurité sociale en travaillant pour la financer. Bon, évidemment, c'est le bordel. Great. Now I can put on je pense que ma copine show. Du FBI va se ramener. Il va falloir que je lui explique pourquoi je me suis enfui. Et oh, je peux casser mes menottes. No point in getting these off. Si je les casse. There's cops everywhere. Je casse mes menottes et je fais quoi? Je me colle à la porte et je bouge pas. Ce qui me fait plus peur, c'est que Daniel foute la merde. En mode pouvoir, destruction. On va attendre, hein, tant pis. Hein. Je ferai qu'aggraver mon cas si je résiste. Et je vois pas comment je peux m'enfuir. Je casse mes menottes. J'arrive à sortir de la porte qui est sûrement fermée à clé. J'ai un autre couloir à passer. Avec les deux putains de tarés qui sont dans la prise, qui sont en cage, et un flic qui ne dort plus, qui surveille la seule porte qui me mène à l'extérieur dans l'inconnu. Je pense que je vais juste attendre. Ah non, moi c'est pas ma copine du FBI, c'est toujours le même mec. Merci pour le café. There you go. Looks like you need it. Thanks. All right. Let's see. Okay.
C'est le moment où on va savoir quel prix on doit payer. Seriously? No shit. T'attends que je boive mon café, ça? Oh, ils vont quand même pas m'arnaquer en ayant mis quelque chose dans le café. Yeah. Pas de ça. Coffee's gonna make me feel so much better. Jeez. On discute un moment ou... That's quite a crime spree. It's hard to believe what kids can do nowadays. Killing that officer in Seattle. Alors ça, non, déjà. Vandalizing a motel room. Ça, oui. Caught in another weird explosion at a pot farm in California. Ça, then you join a religious commune in Nevada. Hmm. Oh. Which ends up burnt to the ground. And we're not even halfway down the list. One of those things you could get away with. But not all that. Bah oui. Est-ce que je m'explique? It sounds crazy, but I can explain. Explain it to Agent Flores. Ah, ça c'est ma copine. She's on her way now. She spoke to your mother, who took responsibility for the church fire. No. That's not true. She had nothing to do with it, and you know surtout it. Que c'est les mecs de l'église qui sont cramés eux-mêmes, this, en fait. Okay? She's a good person. Hey. It's not up to me, kid. Listen. I feel sorry for you. Pour le coup, l'église, I really c'est eux do. Tout seul, hein. But denying what you did will only make things worse. Alors, pour l'église, c'était I did pas what moi. I had to do. Pour le reste, needed to protect my brother. Et pour le flic, know, je peux l'expliquer aussi, mais c'est compliqué. Running away from trouble is never a good solution. You know, I read the report. You claim that Officer Matthews' death was an accident. So why didn't you wait for the police? Parce qu'il fallait qu'il y ait un jeu, je crois. Bon, la vérité c'est qu'on a paniqué. I panicked. Okay? Then it was too late. We were already criminals. Well, it's no reason to make things worse by running away. Il a raison, hein. Good news is, your brother's too young to be prosecuted. He'll end up with your grandparents, if they want him. Ce qui sera le cas. But you're facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. C'est lui qui se réveille, ça. Oh non, 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 faut pas. What I don't bordel. Get is how two kids can destroy so much stuff. Ah, tu vas bientôt le savoir. I mean, anywhere you went, something blew up. Seriously. How? Those ils veulent savoir dans quelques minutes, hein. Random accidents. Yeah, it's crazy, but it just happens around us. Can't explain it. Uh-huh. Listen. Once is an accident. Twice is luck. Three times is enemy action. Whoa! What is that? Oh, sir? I don't think you should... Keep your ass in that seat. Sean! You okay? How do you feel? Mais maintenant, on est dans la merde. I'm okay, just a little headache. Hold on. Dude, we gotta go. Hold up. Is he okay? J'espère. I wanted to rescue you, but I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. Tant mieux alors. Tant mieux, mais je crois que là, il y aura plus jamais aucun doute. Hein. This is Ron, bullshit. You gotta get out of here. Estoy aquí. Sean, who are these people? Well, Carla and Diego. They came all the way from. Shall we try to make peace with these morons? Well, Carla and Diego. They came all the way from Mexico. And got. Je vais voir s'il a pas des clés. Thrown in jail for it.
As for Campbell, ça va? Others. They're the ones who try to nothing personal, dude. As for the others, they're the ones who try to shoot you. What? They got locked up? Good. Go to hell. Ta gueule. Ça va, vous? He's out for the count. Je veux assurer que personne n'est mort, en fait. Moi, j'ai toujours l'intention d'être un loyal bon dans cette histoire. Oh, bordel. Okay, oh, shit. Don't shoot. Hands up. Okay. Do not move. Okay. Wait, Sean. Stay back, Daniel. C'était sûr que ça pouvait pas bien se passer. Think. Sean, what do I do? Quick. I gotta find something to stop them. We got multiple officers down. You gotta kill the muck, dude. Now. They're dangerous. What's going on? Be careful. I'm scared. The chaise? The chair. Fuck! Okay, what the fuck? Do not move! Je bouge pas, je bouge pas. Don't do anything stupid! Throw that locker. Oh merde, non, c'est trop extrême. I didn't want to hurt anybody anymore. You saved us. You had no choice. Je crois que ça aurait été pire de les... Let's bail. Oh, je sais pas c'est quoi le pire! I think our things are in there. Our shit is still here. Oh, y a plein d'armes aussi. Finally, good news. Ta gueule! Step. Ah, ça me fait chier. Les deux gardes, j'ai pas su les gérer, quoi. Nice. En même temps, don't vous les gérer. I'll be right back. Okay, but be quick. J'aurais peut-être dû lui dire de choper les gardes direct. J'espère qu'ils vont bien. Tokyo Walkie, je prends. They must really feel threatened to put so much effort into Tokyo Walkie, je prends. Non mais je veux prendre le Tokyo Walkie. Bet it belongs to one of these trigger happy people. Putain, je te pique ton pilt. Juste, ça c'est mon petit plaisir personnel. From a pretty bad place. There's probably more of them coming. Let's go. Allez, go, go, go. Ils vont bien eux. Je vois pas de sang. We would be so dead if we didn't have Daniel's power. I hate that he has to use this for all this shit. Ça peut pas bien se finir, c'est juste pas possible. Take it out, Daniel. Wow. Ça peut pas Time bien se finir. Go. Je sais pas comment ça peut se finir, mais pas bien là. Là, c'est terrible. Hein. Hurry, Sean, drive! Là, voilà la course finale. Hein. Ils ont pas pu réparer le trou dans le mur, de toute façon. No, nobody is chasing us. Oh, ça va pas tarder. Not yet. Faut qu'on passe. Emergency. This is all points bulletin for every unit in the area. Two prisoners, both teenagers, have escaped using violent force from the El Rey police station. They are considered armed and dangerous. Repeat. Faut qu'on passe, tant pis. C'était la dernière occasion qu'on avait de. C'est la dernière occasion qu'on avait de payer pour nos crimes, et là je crois que. We got nowhere else to go. Le tout est bien trop élevé. Sean. It's the. 4th of July. Super, hein? Super journée pour. First one without dad. You're right. Remember how he was so in the fireworks every year? He always made us go too early so we could get a good spot. I know. He is so corny. He said he was proud to live in this country. Mm-hmm.
Où est-ce qu'on va? C'est dingue parce que le... ouais, Life is Strange 1, la fin on la voyait, ça allait crescendo. Et là. Là, à part avoir fait empirer notre cas, en fait. Et ben voilà, on va. Sean, what are we gonna do? You know that day in Seattle? The date Dad was shot? I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. Il est là le parallèle. I tried my best. I swear. Sean. Tu vas commencer avec quelqu'un qui se fait tirer dessus en fait. Just like Dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. Hear me out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Sean, Diaz. You know this is I promise, Sean. So, how does the story of the Wolf Brothers end? C'était sûr, hein? C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. C'est beaucoup plus compliqué que le 1. Moins triste aussi. Choix du 1, je l'avais fait de toute façon très ému, presque en chialant. Là, non. C'est plus une histoire de morale, là. Merci pour le conseil. Regardez le découpage. L'œil en bandeau. L'œil perdu dans tous les sacrifices qu'on a fait pour arriver là. Et l'autre. Passer la frontière revient à balancer tous les flics dans les sens, défoncer cette porte et fuir au Mexique et ne jamais et ça le prix à payer est si cher si on se rend. Mais on est deux. Et si on passe la frontière, à quel prix je vais payer au Daniel en fait? Et est-ce que ça se passerait pas mal si on passe la frontière? Genre Daniel passe la frontière, on se fait abattre. Ou l'inverse. Bon. Il est temps de prendre ses responsabilités. C'est fini. Hi. Je savais que ça finirait comme ça. I think their story ends right here. Here? But I could... I get it.
That's not who we are. No. Exactly. We're not criminals. We're just kids. And we still have time to choose what life we want to live. You're my brother. And I love you. I love you too, Sean. It's gonna be all right. I promise. You promise? For real this time? I do. We're doing the right thing. Just try and remember what I taught you. I mean, only the good shit. I will. I swear. On your knees! I said on your knees now! I'm sorry about all this. We're gonna look after your brother. That's my word. Je tiens. Ok, il est prêt. Sean! Non! Sean! Oye, oye! He's gonna be fine. Daniel! You're not a little wolf anymore. Never forget who you are. Never! Ah, y'a Chris. Alors attention aux dates, elles vont nous donner une chronologie, je pense. Presque normal. Enfin, presque. Après avoir fait ses études, Sean fut obligé de prendre un petit boulot de merde car il n'avait pas d'emploi. 2033. 15 ans après. Ans.
C'est plus que toute la vie de Sean. Enfin, à l'époque. Il est plus vieux que... Il est plus vieux que Sean, que Daniel. Il est plus vieux que Sean au moment où il est rentré en prison. C'est Lila, j'imagine.